Mais t'es con quoi? Oh quel con! Merde! Tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu te fais vieux d'elle. Eh ouais. Dans le temps, j'aurais jamais réussi à t'y reprendre. Ça c'est sûr. Il faut dire que t'as de ces plaisanteries à la con. Merde alors. Et je te signale que ça fait un bail que t'as quitté le jardin d'enfants, mon pote. Oh, arrête, t'as pas le sens de l'humour. Tu sais ce que j'en fais de ton sens de l'humour? Ouais, je sais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es pissé dessus? Mais quel gamin tout fait. Non, mais 5 ans, d'âge mental. Je crois qu'on peut se tirer, il se passera rien. T'avais quelque chose par là? Non, juste qu'il fait nuit noire et que ça caille. Ah bien. Allez, tirons-nous. Je suis trempé et je suis crevé. En plus, on gèle les miches et je sens même plus mes doigts de pied. Ouais, mais tu sais, je sais pas ce que c'est. J'ai quand même une drôle d'impression. Connerie. Quand je pense à la soirée que j'ai loupée. Ah ouais, j'imagine, j'ai vu ta petite amie. Ouais, y a rien acheté. Elle a une de ses paires de miches. Toi, t'es en manque. Avec une fille pareille, on est toujours en manque. Bon, allez. Ah, c'est râpé pour ce soir. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde cette lumière là-haut. Ça recommence. Appelle du renfort d'elle. Fais chier. Dommage pour toi que t'aies croisé ma route. Thank you.
pas laisser de traces, mon pote. Je t'aurais... Crétin. Ah oh. Alors, qui c'est le crétin, maintenant, hein? Ça va? Ouais. Évite de laisser traîner ton flingue. Ouais. Alors, on le ramène vivant ou mort? Tu sais, il y a un dicton qui dit... L'homme propose et Dieu... Oui, je sais, Dieu dispose. C'était un sacré flic. Mais peut-être un peu trop idéaliste, on n'a pas pris le même chemin. J'ai eu chaud. J'ai cru à un moment que c'était le fiasco. T'oublies que c'est mon chargement, espèce de merdeux. Il ne devait partir que demain soir. Alors j'en déduis... que quelqu'un a dû cracher le morceau. Arrête, j'ai fait ce que t'avais dit. Tu sais que tu commences à me faire sérieusement chier. Non, arrête! Merde, non, Delaney, écoute-moi! Non, pas ça, déconne pas! Il est mal en pointe. Fracture multiple. Faut le passer au rayon X. Prévenez la radio. Tiens, branche la perfusion. J'ai mis 4 unités. D'accord. Comprimez la tête, pour les yeux. Préparez-vous à transfuser. J'aurai besoin de plasma thermique. La boîte. Rajoute de la lithocaïne dans la perfusion. Vous pouvez les portes fermes. La salle d'homme est prête. Dépêchez-vous, il va nous craquer dans les doigts. Contrôlez sa tension. Tension derrière est très faible. Merde, sa tension baisse. C'est mauvais signe. Dépêchez-vous de la transfuser. Faites vite, merde, on va perdre. Déployez le plasma. Imperceptible. Branche la tension, mec. Le respirateur fonctionne. Oui, là, on a. Contrôle. Là. Adrénaline, vite. J'y vais. Je recommence. Eh bien, ce n'est pas un cas sans précédent, mais cela reste toujours très étonnant. Votre officier Garrett, c'est ça? Il est très combatif. C'est incroyable qu'il ait pu survivre à des traumatismes pareils. Je sais. On a dû le placer sous soins intensifs. Alors vous n'avez pas le trouvé très loquace. Je comprends, mais il n'a jamais été. Ah bon? Vous risquez de le trouver un peu différent. Approcher la mort ainsi, ça n'est jamais sans conséquence. Il était cliniquement mort. On a eu une chance énorme de réussir à le réanimer. Vous faites erreur, docteur Atkins. C'est moi qui suis chanceux. À compter d'aujourd'hui, pour les gens de l'extérieur, l'officier Garrett est mort. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Cette opération tient sur son minutage. Mais ça va être éducatif aussi, parce que je veux montrer à ces pédales de français ce que ça coûte de vouloir s'installer dans un coin où on bouffe pas d'escargots. Ni d'escargots, ni ce genre de merde. Ils espèrent pouvoir transférer 15 à 20 millions. C'est de la fraîche que Lacombe va empocher pour me voler. Me voler! Je ne veux voir aucun de ces enfoirés rentrer à Vancouver vivant. Aucun.
C'est votre boulot de leur faire sauter le crâne en vidant votre chargeur entre leurs yeux. Parce que c'est le prix à payer quand on essaie de piétiner mes plates-bandes. Maintenant, quelqu'un va devoir mener la danse. Et vous devez tous comprendre que cet homme représentera ma propre autorité en mon absence. Alors il a fallu que je choisisse quelqu'un qui a fait ses preuves. Quelqu'un qui ne flanchera pas et qui ira jusqu'au bout sans sourciller. Cet homme, c'est Grogan. Quoi ? Quelle merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Saul, je savais que ça t'ennuierait. Mais il faut que tu comprennes. J'avais un choix à faire et je l'ai fait. Tu seras dédommagé. Dédommagé ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, dédommagé ? Tu vas m'offrir une voiture ? Une semaine à Las Vegas dans une chambre pleine de putes ? Si c'est ça que tu veux. Mais tu me prends pour un con ! Tu veux me couillonner, Marco ? Je t'ai donné 7 ans de ma vie. Je croyais que la loyauté n'était pas à sens unique. 7 ans de ma vie, je t'ai donné. Tout ça pourquoi ? Rien ! Je me suis fait couillonner ! Nino est avec moi depuis 22 ans, petit frère Sansi depuis 17 ans. Comment est-ce que tu peux me comparer à ces deux faillots ? Rassieds-toi. J'ai foutu de l'argent là-dedans. Beaucoup d'argent ! J'ai travaillé comme un forçat. Je mérite ce job ! Hai visto che hai preso l'uomo migliore, non come questo stronzo. Hé, hé, ferme-la ! Ferme ta gueule ! Elle te mène par le bout du nez maintenant. C'est peut-être ton conseiller juridique, mais elle peut pas prévoir les merdes. C'est comme pour ton Grogan. Tu vas te faire doubler, mais pas moi. Je vais te regarder dégringoler, Marco, et quand on te foutra en l'air, je serai là. Merde ! Mais comment tu peux faire passer ce bâtard avant moi ? Oh mon Dieu ! Merde ! Tu déconnes, Grogan, pas chez moi. C'est ici que je vis. Tu déconnes, tu viens foutre la merde dans ma propre maison? T'aurais pas dû faire ça. Non, j'aurais pas dû le faire. Ce mec était un enfoiré. Ah, jolie leçon. Tu l'as flingué sans la moindre colère. T'as juste pris le temps de viser. Et puis, boum! Et ce salaud a bouffé son bulletin de naissance. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Quelqu'un veut appeler les flics pour leur raconter? Les flics. Je vois qu'on se précipite pas sur le téléphone. Je crois que t'as bien fait. De toute façon, ce mec était un connard. Allez, les gars, on a du pain sur la planche. T'as pas eu de bol. T'aurais dû choisir les putes. Grogan. À ma façon. Tu es le patron, Marc. C'est exact. C'est moi le patron. Tu es sûr que c'est le bon choix? Pas toi. Si.
Hey, qu'est-ce qu'on fait s'ils changent de route, hein? Comment on les récupère? Et s'ils sont en retard? Tu bois trop de café, Nino. Ah, le café me calme. Alors, continue. Dis à Scolari de se mettre dans l'ombre. Et à Sansi de planquer son flingue, d'accord? D'accord, Danny. Hé, hey, mets-toi dans l'ombre. Arrête de te mettre en point de mire et tu bouges pas. Danny, va te planquer de l'autre côté de la rue. Vas-y, vas-y. Petit frère, range ton flingue, d'accord? Allez, Danny, grouille-toi, ils vont pas tarder à arriver. Tu sais, Danny, je suis content que Marco t'ait choisi. Tu sais, Sensi et moi, on a grandi avec lui à Brooklyn. On faisait une rude équipe, mais Marco était toujours top néo. Quand son vieux s'est installé à l'ouest, il a dû le suivre là-bas, mais... Dès qu'il a pu s'arranger, il nous a fait venir, mon frère et moi. On devait lui manquer. Marco, il est capable de tout mener, de les rattraper, de les mettre au pas. Nous aussi. Nous, on est des QTE. C'est pour ça qu'on sait qu'on n'était pas fait pour le boulot qu'il t'a donné. Toi, t'es un bon... Tu le mérites. Je suis content que ça soit toi. Merci, Nino. Tenez-vous prêts, les gars. Ils arrivent. Tu me nettoies tout ça et tu renvoies tout le monde. D'accord, Danny. Déconnez pas, les gars, arrêtez. Laissez-nous partir. Faites votre prière, messieurs. Bon voyage. Prends-le!
Sensei. Sensei. Laisser dans la rue. Nino, on n'a pas le choix. Oh, Sensei. Ce petit salopard, il va payer pour ça. Calme-toi. Arabe. Va te faire foutre. Tiens, occupe-toi, ramène-le à la planque. Je vais le traîner en enfer. Allez, allez. J'ai perdu mes clés. Allez, viens, je t'emmène. Allez. Allez, lève-toi. Il va falloir que t'apprennes à aimer le goût de cette bidoche. Tu vas voir, tu vas adorer ça. Oh. Allez, vas-y, ouvre la bouche. Desserre les dents. Je vais te la faire avaler, moi. Tu ferais mieux de te laisser faire, t'as pas le choix. Et personne à part moi, ne saura jamais que t'as bouffé du porc. Allez, grouille-toi. Ouvre ta putain de bouche. Fais ça. C'est vrai, tu tiens le coup, c'est vrai. T'as de l'énergie à revendre. Mais dis-toi bien que dans pas longtemps, il te restera plus une seule dent de ce capitaine mâchoire. Allez, avale! Juste un petit peu, allez, juste un petit peu. Vas-y, c'est bon!
J'ai entendu dire que les couilles de porc se vendaient pas très bien dans ton putain de pays, hein? Allez, encore un peu. C'est pas marrant d'être musulman, hein? Je vais te les faire bouffer, moi, si pêche de pied. Ouais, moi, ça me fait marrer. Attends. Marco? Dani, c'est toi? Voilà où j'entends des voix maintenant. Allez, allez, mange-en encore un peu. Faut pas gâcher la marchandise, hein. Allez, finissons pas! Hey! Qui est là? C'est toi, Grogan? Morgan? Je suis la mère de Tim. Ah oui, Madame Murphy. Je suis désolé, il est très tard. Oh, j'ai vu votre mot. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé. Non, pas du tout. Mais rentrez. Salut, maman. Tim, va vite te préparer pour l'école. On est samedi, maman. C'est vrai. Eh bien, il faut que je retourne au boulot. Tu vas pas pouvoir sortir aujourd'hui. J'ai pas le temps de t'en faire faire une clé. Ah, c'est pas grave. Je regarderai la télé. Waouh! Tous ces avions, oh, c'est super sympa. Tu t'y connais en avion? Non, pas vraiment. Oh, j'ai vu celui des Anges Bleus. C'est vrai? Maintenant, ils utilisent celui-là. Le F-18, le frelon. Je viens juste de le finir. Je peux voir? Bien sûr. Waouh! Tu aimes les maquettes? J'en ai jamais fait. Je viens de commencer celle du F-15, l'aigle. Tu voudrais m'aider à le finir? Vous êtes sérieux? Eh oui, bien sûr. Tiens, voilà les clés de chez moi au cas où je ne serai pas là. Mais il faut d'abord que ta mère soit d'accord. Tu veux bien, maman? Je peux? Non, c'est d'accord. Oui! Très bien, mais monte d'abord faire ta toilette et te changer. Merci, monsieur Grogan. Ouais. C'est un gentil garçon. Oui, merci. Eh bien, maintenant, il faut que j'y aille. Je vais aller préparer son déjeuner et essayer de dormir un peu. Combien d'emplois avez-vous? 3. Mais seulement un à mi-temps. C'est que ça me coûte cher d'habiter dans ce quartier. Merci encore, monsieur Grogan. Oh, mais c'est normal. Appelez-moi Dan, d'accord? D'accord. Moi, c'est Kate. Il arrive, monsieur Lugani. Non, je préfère que tu restes dans la voiture. Attends-moi là. Pourquoi t'es en retard? T'as crevé ou un truc de genre? Les embouteilleurs. Passe-moi ma canne de golf, Rig. Je vais l'essayer sur ce mec. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une médaille musulmane. Quoi? Quoi, c'est un arabe? Il veut pas le dire. Ah, il veut pas le dire. Numéro 3, eh ben c'est parfait. Où ils sont? Dans la salle de battage. C'est approprié. Nino? Nino, où tu es? Monsieur Lugani.
Danny. S'il te plaît, tu veux bien? Non. Pas Dragan. Tu dois le faire, Margot. Je suis désolé. Margot. Tue-moi. Nino. Pardonne-moi. Mon Dieu. Pardonnez-moi. Écoutez-moi, Garrett. L'idée reste la même. Les faire se rencontrer, comme ça on pourra faire d'une pierre deux coups. Jouez-le doucement, sans ameuter les foules, sans spectacle. Et ils s'entretueront. Attendez, voyons. Je dois faire le point. 6. Non, non, 7. Oui, 7. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais merde, Garrett! On dirait que ça ne nous intéresse pas. Vous saviez qu'il fut une époque où il marchait sur la terre? Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez un problème? Non, pas du tout. Des nouvelles de Delaney? Non, rien de presse pour l'instant. Le problème, c'est Lougani et la combe. Que voulez-vous savoir? J'ai besoin de savoir quand vous allez organiser une rencontre. Mais rien de presse. Ça ne fait jamais que 2 ans. Vous savez, j'en ai vraiment ras-le-bol de votre air supérieur. Superbe. J'ai pas à demander pour quoi que ce soit. Moi, j'exige. Tu saisis la différence? Moi, j'exige. Ces sales Français piétinent mon territoire. Tu n'as pas besoin d'une guerre avec la combe. Et avec ces Iraniens sur le dos, tu risques d'avoir besoin de lui. Tu sais ce qui est arrivé au dernier connard qui a voulu me donner des conseils? Hein? Le médecin légiste a dû lui ouvrir le bide pour récupérer ses dents pour l'identifier. Bien. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, je suis trop effrayé. C'est ça que j'aime chez toi, Grogan. T'as pas la trouille de me dire ce que tu penses. Attends. Tu sais, moi aussi j'ai grandi dans la rue. J'ai jamais appris à négocier. Et c'est sûrement pour cette raison que j'ai souvent une attitude un peu rude. J'accepte tes excuses, Marco. C'est ça. Bon boulot, ça fait presque 40. Monsieur Lougani vous remercie de faire honneur à sa viande. Voilà votre reçu. Tâchez de ne pas le perdre. Oh, et voilà 2 places pour le match de basket pour demain soir, avec les compliments de monsieur Lougani. Allez, passez un bon week-end, les gars. Vous avez fait un sacré boulot. Fais gaffe à toi, Bruno. Ouais. Alors, on a de l'avance sur l'horaire, Joe. Si on allait bouffer quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais, les Chinois? Arrête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Messieurs, veuillez déposer vos armes et vos mallettes à vos pieds. Ensuite, 3 pas en arrière. Est-ce que vous avez des difficultés à comprendre ma requête? Mais non, vous savez pour qui on travaille, nous? Vous devriez vous tirer de là. Parce que... ça va, les gars. C'est pas mon pognon. Ouvrez votre manteau, s'il vous plaît. Lentement. Malheureusement, votre ami n'était pas aussi compréhensif que vous. Nous avons déjà soulagé votre voiture de son précieux chargement. Je sais à quel point c'était une lourde charge. Vous êtes libre et en bonne santé. Conduisez prudemment. Cut.
Tu vas voir, je t'aurai. Ça ira, beau. Tu sais, tous ces noirs, c'est que de l'esbrouf. Comment va le tigre? Bien. La maquette avance pas trop mal. Et là depuis longtemps? Ouais. Un petit moment. Ouais. T'as l'air ennuyé. Ça s'est bien passé à l'école? Bien sûr. Jus d'orange? Non. Non, merci. Tu sais que j'ai passé de mauvais quarts d'heure quand j'étais à l'école. Vous? C'était les leçons qui étaient trop dures? Non, pas vraiment les leçons. Non, autre chose. Quel genre d'autre chose? Oh, des trucs de môme. T'es sûr que t'en veux pas? Non, non, merci. Quel truc? Racontez-moi. Ben, quand j'avais à peu près ton âge, peut-être un peu plus vieux, j'allais dans une école en Arizona dont la plupart des élèves étaient des Indiens de la réserve. Il y en avait un très baraqué qui ne m'aimait pas du tout. Alors tous les soirs après l'école, il me donnait la chasse. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait un homme qui travaillait dans la station-service que je traversais. Et tous les soirs, il me voyait passer poursuivi par l'Indien. Finalement, je crois que ça lui faisait de la peine. Et un jour, il m'a arrêté et m'a forcé à l'affronter. Il disait que se sauver devant sa peur était bien plus douloureux que de l'affronter. Et il avait raison. Et je n'ai jamais plus couru ensuite. Tim, ça n'est pas tellement que ce garçon ne m'aimait pas, parce qu'il ne me connaissait pas. C'était plutôt parce que mes yeux étaient trop clairs. Mes cheveux n'étaient pas assez foncés, ma peau était trop pâle. C'était cette différence qu'il détestait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il est vraiment très grand? Grand comme ça? Comme ça? Aide-moi, on va pousser la table. Viens, prends la parole. Je vais te montrer deux choses qui peuvent t'aider. La plupart des gens sont droitiers. Alors quand ils veulent frapper, ils utilisent leur main la plus habile, c'est la main droite. Bon, si tu fais face à cette personne, la surface d'impact est bien trop grande. Alors tu dois te mettre de côté, comme ça. Ouvre ton pied gauche. Voilà, tourne le droit. Maintenant, lève les mains. Jusque-là, reste décontracté. Avec ce bras, tu bloques. Si je balance ma droite, tu m'arrêtes avec le bras. Tu vois? Et ensuite, tu peux tirer avec ta main droite. Tu ne la recules pas, jamais en arrière. Tu la gardes en avant. Tu viens frapper là. Et pendant ce temps, tu recules ta main gauche en arrière et tu dois viser là, ici. Ça, c'est le plexus solaire. C'est là que ça fait mal. C'est le point sensible. Alors, si je balance la main droite, tu bloques. Et ensuite, tu portes le coup et tu vises mon plexus solaire, juste là. D'accord, on essaie? Prêt, bloque, porte le coup. Bien, encore une fois, essaie de nouveau. Mais cette fois, tu portes vraiment le coup. Prêt, bloque, frappe, voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà, tu comprends, c'est comme ça que tu le fais. Thank you.
Est-ce que j'interromps votre sieste? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Christine. Moi, Tim. Tu devrais rentrer, Tim. Ouais. J'y vais. Maman ne va pas tarder à rentrer. Tim, on continuera plus tard, d'accord? Merci, Monsieur Grogan. J'oublierai pas cette leçon. C'est un gentil garçon. Je ne crois pas que tu aimes les gentils garçons. Je pense que tu préfères les durs. Mm-hmm. Marco veut que tu ailles à Vancouver pour voir la combe. Qui l'a fait changer d'avis? Deux amis à lui, une masse d'argent, les Iraniens. Et toi? Tu aurais dû téléphoner. C'était inutile de venir jusqu'ici pour me dire ça. Tu sais pourquoi je suis là et tu es ridicule de me traiter comme ça. C'est un avis personnel ou une opinion professionnelle? Est-ce que mon opinion t'intéresse? Non, pas vraiment. Je compromis ma situation avec Marco en ayant une relation avec toi et tout ce que tu sais faire, c'est de me traiter comme une merde. Alors arrête de trimballer ton cul dans le quartier. Tu n'es qu'un salopard! Je m'appelle Simon Nantel. Monsieur Lacombe vous attend. Puis-je? Bien sûr, pourquoi pas. Bien, suivez-moi. Monsieur Grogan, c'est bien ça? C'est ça. Vous représentez Monsieur Lugani? C'est exact. Mm-hmm.
Dites-moi, Simon, je ne sens pas la terrible odeur d'origan que nous attendions. Est-ce, monsieur Grogan, parce que vous avez atteint des sommets plus élevés que le huileux anthropoïde que vous servez? Seulement anthropoïde. Marco a été traité de tas de choses, mais jamais de singe. Je ne suis pas venu ici pour discuter évolution. Donc, j'apprécie. Vous et Marco gaspillez des forces considérables en vous faisant la guerre. Une alliance serait plus profitable. Oh, un économiste, comme c'est charmant. Arrêter d'acheter à des gens d'Extrême-Orient serait un début. Marco est d'accord pour vous rencontrer à Vancouver. Si vous le désirez, bien sûr. Je n'y tiens pas du tout. Un autre fait encore. Un groupe d'Iraniens s'est installé à Siedl. Une alliance les arrêterait. Ça, c'est le problème de votre marchand de viande. Il faut les stopper avant qu'ils arrivent dans le Nord. Cela ne me concerne en rien. Pourquoi avez-vous accepté de me rencontrer? Pour que vous transmettiez un message personnel à ce groupe or qui sont là il y a des kilomètres. Je me suis installé dans le sud, et je resterai dans le sud. Lugani n'est pas de force à me déloger. Et s'il vous prend, à vous ou à ces Iraniens dont vous parlez, l'envie de venir mettre les pieds à Vancouver, je graverai personnellement le nom d'André Lacombe en lettres capitales sur chacune de vos tombes. Et je pisserai dessus. Au revoir, monsieur Grogan. Tu l'avais oublié. C'est peut-être un bon secrétaire, mais il faudrait qu'il soit un meilleur limier. Comment ça s'est passé, votre entretien? J'appelle pas ça vraiment un entretien. Que s'est-il passé? Bonjour. Bonjour. Vous voulez voir la carte? Non, merci, je n'ai pas le temps. Attendez, faites-moi signe si vous changez d'avis. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a juste dit et fait ce qu'il ne fallait pas, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir donner une leçon à monsieur Lacombe. Par leçon, j'espère que vous n'entendez pas plus de cadavres. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous en entendrez parler. C'est que monsieur Lacombe m'envoie pour vous donner un conseil, les garçons. Juste vous? Je ne vois personne derrière moi. Monsieur Lacombe m'a demandé de vous dire que si vous, les avaleurs de merguez, vous persistiez à le gêner, il vous trancherait les couilles et vous les ferait avaler. Oh, comment vous pouvez manger ça? Tu es un homme mort. Je n'ai pas peur de mourir. Et vous? Non. Allah nous protège. Eh bien alors, vous ne sentirez rien.
ça. C'est un avertissement de Monsieur Lacombe. Tu viens de creuser ta tombe. Tu te répètes, Merguez. T'es mort, enfoiré, espèce de connard! Touche écoulée. Madame Lacombe, je suis ravie de vous voir. Simon, André ne parle jamais de son travail avec moi. Je sais que c'est délicat, mais quelque chose me trouble. Est-ce qu'il a des problèmes? Il semble si distant, même avec les filles. Cela ne lui ressemble guère. Eh bien, le fait d'être à la campagne dans cet endroit où il se sent en sécurité, et avec vous maintenant, va lui faire mal. Oh, merci, mon Dieu, le week-end a officiellement commencé. Je pensais qu'il n'arriverait jamais. André, tu sembles si fatigué. Et toi qui nous avais promis de faire les magasins? Oui, moi, dans un moment de faiblesse. Peut-être que les magasins peuvent attendre. Qu'en penses-tu? Moi, je m'en passerai. Mais tu vas devoir négocier avec elle. Eh bien, je cours à la défaite. Ah. Allez, installe-toi. Je serai de retour très vite. Je dois profiter de cet instant d'inspiration. Venez, les filles. Simon, pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de solitude. Dites-leur de rester à distance. Suivez-le d'assez loin, mais gardez un œil sur lui. Jacques ? Est-ce que c'est vous ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
reviens. Monsieur Lacombe, regardez-moi, monsieur Lacombe. Vous voyez? Vous voyez? Oh non! Rose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, pas ça! Oh non! Qu'est-ce que tu vas faire? Te cacher derrière lui pour le mouiller? Vas-y, Beau! File-lui la leçon du siècle! Qu'est-ce que tu as décidé? Pour moi, c'est d'accord. C'est bien, fiston! J'ai glissé parce que c'est mouillé. Mais maintenant, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est bon, c'est bon. Ça va aller, ça va aller. Tu vas voir, ça va aller. Petit salopard. Ça va mieux? Ça va? Bon, maintenant, serrez-vous la main. Allez. C'est vraiment un empoté, hein? Je t'ai montré comment on fait. Tu te bats comme une princesse. À ta place, je serais pas fier de moi. Monte dans ta chambre. Allez, grouille-toi, espèce de petit pisseux à la con. Plus vite. Monte chez toi, Tim. Ferme-la. Attends. Saisis la fermée. T'es qu'un minable. Je suis désolé. Ferme-la. Tiens, tiens, tiens. Et qu'est-ce qu'il me veut, le protecteur des négros? Il est passé. Allô? Danny, il faut que je te voie. Il s'est passé quelque chose de très important. Je ne peux pas en parler au téléphone. Je serai chez toi dans une demi-heure. Attends-moi. Christine!
Salut, Grogan. On dirait que tu attendais quelqu'un d'autre. C'est vrai. Alors, dis-moi qui tu attendais. Quelqu'un que tu connais pas. Ce gars, il a vraiment le sens de l'humour. Danny, mon garçon, ça fait 2 ans que t'es avec moi, c'est ça? Et c'est la première fois que je viens chez toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, Marco? Eh ben, je voulais voir où tu vivais. Il faut croire que je te paye pas assez bien. T'as peut-être besoin d'une rallonge, Danny, hein? On dirait qu'elle est en retard. Elles le sont toujours. Ouais. Tu peux pas dépendre d'une greluche. Qu'est-ce que tu dirais d'un plat de pâtes et d'un peu de vin? Allez, viens déjeuner avec nous. Je dois rester ici au cas où elle se montrerait. Balance-la! Tu peux pas laisser les bonnes femmes te mener par le bout du nez. Ça lui fera une leçon pour la prochaine fois. Allez, viens. Prends ton manteau et allons-y, j'ai une fin de l'eau. Hey, monsieur Grogan, c'est Tim. De surprise, hein? Le petit point rouge sur sa poitrine. Et regarde là-bas, l'Iranien qui est perché sur le toit en face. Il peut pas le louper. Intéressant, non? Les Iraniens travaillent pour moi. Et ton patron, Marco, est un de mes associés. Il a prévu une petite rencontre avec la Combe. On a de grands projets pour la Combe. Mais t'as essayé de doubler, Marco. Tu remarques que j'ai dit essayer. Alors, il voulait te faire sauter la cafetière. Mais moi, j'ai dit non. J'ai réussi à le convaincre. Et tu sais pourquoi? Oui, parce que t'es un gars plein de compassion. Tu crois? Non, je suis pas comme toi, Don Quichotte. J'ai juste pensé qu'il fallait te laisser une chance. Je t'ai descendu pour le boulot, j'avais rien contre toi. Pour moi, ça reste une affaire personnelle. Écoute, tu peux le prendre exactement comme tu veux, j'en ai rien à cirer. C'est pas mon problème. J'ai demandé à Marco de te laisser 12 heures pour quitter la ville, mais... après ces 12 heures, ta tête est à moi. Tu piges. Tu sais, petit... t'es pointé à la mauvaise place au mauvais moment. Au fait, ton petit copain s'est pissé dessus. Si tu sens que ça te reprend, serre les fesses et essaie de gueuler si tu arrives. Je crois que tout est en ordre. Tu m'accompagnes en bas. Ta
T'as bien compris. On te donne 12 heures. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas mon boulot? Tu sais que t'es l'enfoiré le plus chanceux que j'ai jamais rencontré. Mais ça va changer. Avec ce petit jouet, je vais t'expédier en enfer. Bon voyage, cow-boy. Prends pas froid. Je suis désolé pour l'enfant. Je suis sûr qu'il s'en remettra. Je voudrais savoir trois choses, Chambers. Lesquelles? Vous saviez que Delaney était là? Oui, on le savait. Et qu'il était de mèche avec les Iraniens? Oui, on le savait aussi. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Vous en auriez fait une affaire personnelle et ça vous aurait gêné par la suite. Vous avez raison, Chambers. C'est personnel. Restez loin de moi. Ou on pourrait devenir des ennemis. Et il se pourrait que je vous traite comme eux. Non, le docteur n'est pas là. Très bien, je lui dirai. Excusez-moi, la chambre de Tim Murphy. Tellement triste, Tim. Je suis désolée de ne pas avoir eu beaucoup de temps à t'accorder. Ça va aller, maman. Je pensais... Je croyais que plus je travaillerais, plus je pourrais faire des choses pour nous. J'ai si peur maintenant de ne pas pouvoir payer l'hôpital. Ça ne sert à rien, maman. J'ai appris à affronter mes peurs. Et je ne veux pas que tu aies peur. Nous aurions dû prévoir un peu de vin pour célébrer une telle rencontre. Du Chianti. Je suis sûr que c'est votre préféré, monsieur Lugan. Et... Non, monsieur Lacombe. Je préfère de beaucoup le champagne français. Surprenant. Votre sens de l'humour est en réel progrès depuis notre dernière entrevue. Vous semblez mieux vous contrôler. Quand c'est nécessaire. J'espère que vous savez que cette rencontre n'est pas de celle qui me comble d'aise.
On n'est pas là pour boire un verre, mais on a besoin de s'associer. Oh. Oui, je sais. Et pour ce faire, je suis disposé à ce que nous mettions en commun nos fournisseurs d'Extrême-Orient et à travailler avec vous pour éliminer ces interférences iraniennes. J'accepte. Vous avez ma parole d'honneur. Laissons nos hommes s'occuper des détails. Pour être franc, moi, contrairement à vous, j'attendais impatiemment cette rencontre. Nous aurions dû amener plus d'hommes, j'ai un mauvais pressentiment. Il ne fera rien, il est sur mon territoire. Vous y êtes ? Allons-y. Bonne route, vieux con. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait ? La route, c'est ça ! Ce créneau de... C'est un piège! Il faut sortir de là, tournez tout de suite! Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! Le reste des gars est en place. Tout est en ordre, monsieur. Ah, c'est du travail d'horloger, joli boulot. C'est pas ce que tu espérais? Que c'est la fin des affaires de Monsieur Lacombe. Des gars ont fait du bon boulot. C'est pas ce que tu espérais. Monsieur Lacombe, c'est un piège. Oh! Monsieur Lacombe, foiré. Mais où sont mes gars? Hey, je comprends pas. Gros porc. C'est eux que tu cherches. Tu pensais que j'étais vraiment assez débile pour laisser ces minables me mettre des bâtons dans les roues? Arrivé l'heure, tu... vieux connard. Non! Quel beau geste, merde. Moi, j'appelle ça un sacrifice inutile. Et toi? Espèce de bâtard! Espèce de bâtard, te salue bien. On peut y aller maintenant. Bienvenue, Don Quichotte.
J'ai pas peur de mourir. Et toi? Bon voyage. Hé, hey, Don Quichotte! Où est-ce que tu te caches? Allez, montre-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu sourd? Merde. Écoute, Don Quichotte. Pourquoi tu te montres pas? On pourrait discuter. Comme on se retrouve, Dale. Ouais, c'est vrai. On devrait s'associer. Qu'est-ce que tu en dis, hein? On est les meilleurs. On pourrait faire de sacrées affaires, toi et moi. Oh. Je ne crois pas, Adèle. Je ne suis pas pour les associations à sens unique. Mais merci de ton offre. Oh. 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 Mais tu tiens plus debout. C'est la bonne bouffe ou tu baisses trop? Ouais, peut-être les deux. Oh, oh, joli putain de poing. Autant que tu apprécies. Ah. Ah, au fait, l'enfant va s'en tirer. Salaud! Hé, si tu sens que tu vas te pisser dessus, Dale. Tâche de serrer les fesses et essaie de gueuler. Si tu y arrives. C'est là. Je me suis tenu à l'écart, mais vous allez trop loin. Arrêtez ça. Ah. Ça va pas tarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas tarder. Revenez. Regarde. Il ne méritait pas de vivre.